Bah, tu nous mets un générique pas trop pourri quand même. Mais... Sous-entendu que celui d'avant était. Je sais pas comment je Jacques Lemaître est pendant une heure sur le grill face à Zenith FM, Pulseo et l'éclaireur. Alors, sur le grill, c'est votre nouveau face à la presse. Pertinente et impertinente, notre équipe va cuisiner à la sauce qu'elle souhaite notre invité du jour. Alors, la radio Zénith FM. Avec l'équipe de Zénith, on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde et on a rencontré notamment Erwan Lehaut, qui lui a déjà fait de la radio sur une autre radio associative, Radio Campus, et qui nous a proposé un projet qui s'intitulait à la base Face à la presse, avec l'intervention de différents médias face à un invité local. Le sujet nous a intéressés, puis du coup, on s'est dit on va le proposer à Pulseo, qu'on avait rencontré également, et puis au journal L'Éclaireur, qui est sur notre zone et qui est un média incontournable. Et là, on va commencer un petit peu sur des charbons ardents. Sonia Martin, Zénith FM, on va évoquer les questions qui fâchent. Ce qui va être le plus compliqué, ça va être se répartir les rôles. Après, c'est plus, au-delà de la difficulté, c'est plus un plaisir de pouvoir échanger entre trois supports, trois médias différents, de pouvoir se rencontrer, travailler sur un même invité, et puis ensuite de l'excitation du direct et la diffusion sur trois supports différents. Ça aussi, c'est particulièrement intéressant. Attention, là, on est en direct, on commence. Okay. Bien, chef. C'est pas habituel pour moi, effectivement, de parler à la radio. J'ai pas l'habitude, donc c'est une expérience intéressante aussi de pouvoir changer de manière de présenter l'information. C'est vrai que c'est pas du tout habituel, mais c'est enrichissant. C'est complètement différent du travail habituel. C'est vrai que c'est une première. Donc il y a à la fois un petit peu d'appréhension, mais beaucoup de plaisir aussi. Que le travail soit cette fois-ci filmé, c'est un travail un petit peu différent. Même si là, il y aura moins de travail sur la caméra, on n'est pas obligé de regarder la caméra, mais on reste concentré un petit peu sur le contenu et sur les questions et l'écoute des questions, parce qu'il faut savoir écouter l'invité. Détendez-vous, vous êtes sur le grill. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir faire intervenir les trois médias et surtout de pouvoir toucher le plus de monde possible et que le message puisse passer, en fait. C'est ça qui est le plus intéressant. La vidéo, nous, on ne maîtrise pas du tout. La radio, ce n'est pas un problème pour nous. Au niveau de la presse, bon, bah là, c'est encore différent. Au niveau de la vidéo, bah non, on espère qu'on passera bien l'écran, c'est tout. Il y a une virgule à la fin. C'est tonne de... Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du portrait, on voit Omar avec ses montagnes de chocolat. Oui, pour eux, c'est Noël. Et le dernier. Avez-vous pensé à ces petits dadonos, à ces bébés chocolats qui ne reverront jamais leur...